C'est un endroit que les randonneurs apprécient. On est à Montaigu de Quercy, mais à l'extrême limite de Montcuq en Quercy blanc. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut dire. Comme ici, on est à Cloussac, oui. Et voilà. Beaucoup aiment marcher sur ces sentiers et passer devant et regarder ce moulin. Je vais m'approcher un peu. Pas certain qu'à Montaigu de Quercy, tout le monde sache où se situe ce moulin. Effectivement, il est à la limite d'un autre département et d'une autre commune qui s'appelle maintenant Montcuq en Quercy blanc. Ce moulin qui fut restauré il y a quelques années, 25 ans. Il y a une petite plaque qui explique. Est situé à un endroit paisible, même si les avions parfois sont assez présents. Voilà, vous pourrez reconnaître au loin Montcuq en Quercy blanc, c'est le côté Montcuq en Quercy blanc. Et même d'autres communes, on voit, on est sur. C'est un moulin à vent, hein, bien sûr. Donc voilà, la fondation du patrimoine pour ce moulin de Bricor, il n'y a pas la date. Mais oui, ça fait plus de 20 ans. Hein. Je sais que j'arrivais dans cette région et que j'en avais entendu parler. Ah, c'est un bel endroit que connaissent ceux qui marchent dans nos sentiers. C'est pour qui, effectivement, que ce soit Montaigu ou que ce soit Montcuq, c'est le Quercy blanc. Il n'y a pas de limite de département, il n'y a pas de limite quand on marche, heureusement. J'y suis venu donc ce 10 août 2019. Dans le but de causer sur d'autres vidéos, et je réalise quelques vues sans propos, on pourrait dire polémique, politique, sur la situation de Montcuq en Quercy blanc, simplement pour vous montrer Montaigu de Quercy sur la chaîne YouTube et aussi sur montaigu.info. Maintenant, il y en a une quinzaine de vidéos sur la commune. Peut-être qu'un jour je ferai plus d'interviews. Pour l'instant, ça semble encore ne pas susciter de grandes demandes. Mais voilà, si vous le demandez, si vous avez des choses à dire, à raconter, la Web TV, Vautoise et Mondiale, peut vous écouter, vous regarder. Comme. J'essaye de montrer le patrimoine. Je l'ai montré en bouquin, donc en photo. Et le montrer en vidéo, c'est autrement. Et tous les moyens ne s'opposent pas, les moyens se complètent. Et l'important, c'est de montrer que ça existe. Voilà. Ça donnera quoi dans une semaine? Peut-être que vous le verrez sur Montcuq TV, montaigu.info. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.